I was here when this crowd really came. And the kids were wonderful. Nobody can complain about the kids. This thing was too big. It was too big for the world. Nobody has ever seen a thing like this. Main pour nous aider à monter toutes ces structures, pour moins de 600 bénévoles. Et il y a aussi à peu près 150 salariés. Terrain, on va accueillir minimum 3 et 5 000 personnes. Et d'année en année, on essaye d'améliorer, notamment cette année, il y aura un point petit-déj. C'est une première cette année, ouais. C'est Joe Bernard, le responsable de Régicène, suite aux demandes de nombreux festivaliers, qui s'est dit qu'il était important d'essayer de satisfaire les gens. Bah, ça génère du monde, hein, 35 000 personnes sur 3 jours, ça fait du monde en ville. Ah bah ouais, en matière culturelle, c'est devenu au bout de 5 ans le plus gros événement. D'ailleurs, dès la première année, c'était devenu le premier événement. Et bah, voilà, ça se confirme cette année avec en plus un nouveau phénomène qui fait que bah, c'est à guichet fermé. On s'attendait vraiment pas à ça. C'est vraiment un gros succès au bout de 5 ans. On en attendait pas tant. On s'appelle les Tall Kingdoms, on est un trio amélioré avec la présence de notre amitié avec les Brest. Et on fait du groove folk. It's past 4 o'clock. Time to get up. Sit there. We're gonna sing Shoot First. Okay? Come on. Sit there. Alright. Give me a beat, Nick. We're not used to playing this early in the afternoon, but you know. Yeah, it was a bit early. But it's still fun, and it's a great setup here. So yeah. Is it your first time in Brittany? No, we played it loads of times. We played in Ville-Charroux. We played 4 years ago, I think, which was the first big festival we did in France. So we've got an affinity with this area. This is the earliest show we've done for like about 4 years or something. Yeah. So thank you. Much. Cheers, man. Good one. Sorry.
little bit for you. Like it's actually been a fucking nightmare journey. Oh we, shit. We missed the last Eurostar. Oh fuck. And there were no flights available, so we actually hired a van at 11 o'clock last night in South London and we drove like 10 hours. Shit. Me and my girlfriend, yeah. Not too hammered, is that right? No. Not too, yeah, too. No, completely flat, mate. I'm like shaking. I was like that at the wheel, you know, when you're driving and you're like. Yeah, just like, you know, getting sleepy and all. It's terrible. Festival, il y avait 4 ou 5 groupes, je sais plus, donc la scène était en dégagement, en extension, était beaucoup plus petite. Après il y a eu des poids lourds qui sont arrivés dès la deuxième édition, on est passé sur 2 jours je crois bien. Et il a fallu, c'est surtout ça qu'on a dû agencer. Quoi. Et nous on a très peu de subventions, donc on est à 99% autofinancé. Il y a une grosse pression, c'est vrai que voilà, si on ne vend pas de billets, on peut perdre beaucoup d'argent et ça peut mettre en péril toute l'activité de la structure. It up. We usually just smoke cigarettes and drink alcohol. We're clearly doing this because of cameras on us. No one warmed up. No one does. This is the vocal warm up. Yeah, it's I've had it for 21 years. It's my only electric guitar. Really? Yep. I bonded with it and I just never let it go. I've owned 70 other guitars, but I always sell them. Pete's got like 10 guitars, so I'll gladly play one of his.
go. And how do you find the audience tonight? Oh. Fantastic. Amazing, yeah. Forgiving and supportive. Enthusiastic. And it was just this really crazy, turbulent. We were like pro surfers on the stormiest waves, but we never got knocked down. The audience was so sweet. God. What a great, really good looking people. Really good. Oh, really sexy people. Uncomfortably sexy people in the audience. Jeez. This lineup today is amazing. Pete Doherty and Jinja, Sinead. I saw Sinead's whole show. Yeah. Well, there's a reason we like being huge in France. I have a bottle, a 2005 Chateau Léon from Saint-Emilion. We're gonna go drink it with dinner. And I'm gonna go fucking have that right now. Very good wine. Sorry, have a good one. Thank you so much. Second time, and yeah, it's one of my all-time faves. You have the best crowd. Yeah, the crowd is crazy. I really like the lineup. The lineup is really great this year. Everything, like backstage, is super nice. You can tell that people put love in it. It's not just like that. It's like really, you can tell that people put love in it. Like family. Yeah, you can tell, and I appreciate that. So thank you. So make some motherfucking noise. From Los Angeles, where the helicopters got cameras, just to get a glimpse of our chips and our kickers and our bouncing cars. She with your friend, right? She ain't trying to bring up a no man, right? Now look here, 60, she ain't gonna be in a district till we get on, get high, get in it. Mommy, mamacita, have you ever gone on cheap vibes from London to the B-side? I'm going to go to the hospital.
On doit couper, puis ça va être en 2 heures. On est à peu près entre 10 et 15 personnes. Entre 14h et 3h du matin, on se relaie à 100 personnes. 19h, 19h30. Là, par contre, on a souvent 2000 à 3000 personnes à servir en une heure. On sort des frites tous les 3 à 5 secondes. Forcément, on a mis tout en place pour qu'ils puissent être servis dans les 20 minutes. C'est vrai que plus ça va, plus on monte en puissance. Au niveau de la restauration, quoi. 10 000 repas par jour, donc il vaut mieux être habitué. Quoi. Puis en plus, tout le monde sait que c'est pour une bonne cause, étant donné que les bénéfices servent pour acheter le matériel au niveau club de foot, et c'est vrai que le matériel est assez cher. Et c'est vrai que ça sert pour les petits aussi, les débutants et compagnie. Et pour le club de foot, c'est hyper important cette rentrée d'argent. Quoi. When I tell you I'm in it, spin it, begin it. Eva, keep on killing this rhythm after it's finished. Never once a week and you're weak and I won't diminish. On your marks, yeah, set, go. Now you go. Selection, reflection, bounce off the wall. Take them all out, knee high, it's a 9 foot tall. Make them call out, if they really, really want it. Sun rose, surprise, they're still really, really on it. I'm impressed, levels bounce high in the depths. We should do a remix, cause still we won't rest. It's a place. Oh great, yeah, it's cool. Perfect, yeah. Really pro, super efficient. Oh no, en français? Non, c'est mieux en anglais. Non, really efficient, super équipe, super sono. Putain, j'ai had a really big sound on stage, it was really really cool. Well, I'm just playing like a traditional DJ. You know, I've got my records here, I've got my stuff actually, but I was using time code vinyl with Tractor Scratch. Yeah. Because I can access a whole lot more, you know, to access what I need. Do you actually play with other DJs sometimes, or not so much? No? Maybe just starting on a new project now. I can't really say too much, but it's going to be a highly electro, really eclectic, quite ethnic as well. So, oh, cool. You'll hear from us somehow. Cool. But yeah, for today it was really just a traditional mix with a little bit of chaos pad, little bit of synthesizer. Côté, j'habite ici. J'habite à Quimper, en fait. Ah, okay. Right. That's cool. Look out. Now, how long have you been living here? 6 years. Okay, so yeah, that's why you've got clean now. Exactly. But New Zealand, or is it like... I'm born in New Zealand, but I grew up in Australia. Okay. So I kind of... I go back from time to time, but it's been 3 years or so now since I've been back. It's like... Well, if you want to talk again later, I've just got to pack up this stuff. Okay. Thank you. Yeah, right here, yeah. It was great. We were kind of worried because we weren't sure how many people were here. I mean, we know it's early in the day, so yeah, more people are going to come later. That's what I was about to ask. Like, yeah. It's not too hard to play in the afternoon. The more people you have, the better it is, obviously. But, you know, we had a good crowd, so I was fine. Because when we came out, it was just like, it looked like no one was here, but everybody was just somewhere else. And then when we came on, they all came down to the stage. So if we could get that crowd every Saturday night in Ireland, we'd be very happy. Yes, everybody's been very kind to us and very helpful. And like I said on stage, we came up, you know, it's been a weird kind of long journey to get here because we went through Paris and then we drove all the way across, which I thought was kind of strange. But anyway, it's been, you know, everybody's been so good and the crowd were great. And, you know, we're just really happy to be in Brittany. I was here when I was a little boy. Yeah, told that on stage, yeah. Yeah, I was here for 2 summers in Brittany. So, yeah, very Celtic and a beautiful kind of part of the world. And it has its own traditions and it has its own culture. And that's, you know, that resonates deeply with people from Ireland, you know. So it's lovely to be back here. And great cakes, great biscuits and cakes. Yeah. Although not too good for this, but, you know.
Hey, sincèrement, du fond du cœur, hey. Hey, Mulan, vraiment, merci à vous d'être venus aussi nombreux lors d'Ernaud. Yeah. Hey, dites-moi, les festivaliers, est-ce que vous passez un bon festival depuis hier? Est-ce que tout va bien? Et puis, j'espère que vous passez un bon moment. On va leur la faire, on va leur la faire. Vous avez ma voix, hey, s'il vous plaît, oh. Tout le monde avec nous, tout le monde avec nous, hey. Tout ce qui est le mal. Plus fort, plus fort. Né en France, je l'aime, c'est ma terre. Blau. On s'attendait pas à un public bouillant comme ça, parce que c'est vrai qu'on a commencé à 17h. Mais après, on n'a pas non plus de surprise quand on vient en Bretagne. On sait que ça se passe bien, que les gens sont chauds de toute façon. On fait du bruit, c'est la première fois, mais la Bretagne, c'est un peu pour nous un terrain de jeu depuis quelques années. Quoi. On s'amuse à leur dire que c'est le meilleur du public de France, mais c'est vrai qu'il y a chez nous, au Saint-Etienne, et puis après, c'est vrai que la Bretagne, c'est quelque chose de très particulier. Quoi. I don't know what you want from me. 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 I don't know what you want from me.
ça se dit aussi avec le label, qui remonte au manager. Après le manager, des fois, il va voir avec l'artiste, il dit s'il dit oui, il dit non. Généralement, après, on voit sur place avec le tour manager. C'est un manager de tournée. En gros, c'est une sorte de babysitter. Lui, il s'assure que tout se passe bien pour accompagner le groupe en tournée. Même si des fois, les artistes ne le sont pas, les labels et les managements le sont plus parce que forcément, ils ont besoin de vendre des disques, toujours des ceci, des cela. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre nationalités, j'ai envie de dire. Généralement, il y a plus matière à négociation avec les étrangers qu'avec les Français. Si les Français, à un moment, te disent non, ça va être non. Bah, l'anecdote, c'est par exemple là, sur cette édition, avec Pete Doherty, parce que c'est un peu le spécialiste des anecdotes, c'est qu'il avait une interview avec un journaliste du Ouest France de Rennes, qui est venu de Rennes, une longue interview, qui s'est très très bien passée, et il voulait rien faire d'autre. Et moi, j'ai essayé de négocier quelque chose pour notre partenaire radio, c'était France Bleu, et le manager m'a fait « Ok, ça va pouvoir se faire », m'a fait « Mais par contre, c'est maintenant ». Donc, il faut que j'aille courir, chercher les journalistes de France Bleu, venir avec un magnétophone. Ils ont couru, ils sont arrivés essoufflés, paf paf. Ils sont rentrés dans la loge avec Pete Doherty était là, et puis je sais pas, ils n'ont même pas eu le temps de poser une demi-question. Il a commencé à discuter avec une fille, il est parti avec une fille, et c'était fini. We'll be right back.
audience were fantastic. Yeah. Enthusiastic, young, very generous, really in a good mood, really great atmosphere. Yeah. Is it your first time in Brittany? I don't know. I guess not. I was over there a minute ago. Now I'm here. I don't even know how I got here. That's why we actually. Sorry, the adrenaline's a bit. I can't think very well. Yeah, great, fantastic. we had a fucking brilliant time. That's seriously. The most important thing, then. Thank you so much. Yeah, thank you. Au revoir. Hey, fuck up, mate. Potassium a créé une créature horrible, Banana Stein, c'est juste là-bas. Au moins Frankenstein avec des bananes. Oh, génial! Est-ce qu'on peut se prendre en photo? J'ai perdu mes chaussures, mon t-shirt et mon pantalon hier. Moi je pars ce soir quand je trouverai ma caisse et après j'y vais. Okay. Je consomme. 3, 2, parti. Voilà. Je suis sec. Pas plus ou moins. Bon allez, bon festin. Oh. Ciao, ciao. Fucking abo. Miaou. Miaou. Thank you.
qui ont récupéré une chaussure aussi, c'était fou quand même. Ouais. Et puis les festivaliers ont bien ramassé, je suis super content, ils ont écouté, le range tachant, il a marché. On a quand même pas mal de repas à faire, donc j'ai un peu plus de 500 repas à faire dans les 3 jours où on fonctionne ici, ou 4 jours même d'ailleurs, donc ça fait un peu de boulot, ouais, bien sûr. Bah, pour ce week-end, on était 3. 2 en cuisine et Gwen qui s'occupait de la salle pendant tous les 3 jours. Quoi. On ouvre les portes à 7h30 pour les petits déjeuners et on les ferme vers minuit en espérant que personne vienne frapper. Des fois on parle d'un troisième jour, je sais pas, c'est à voir. Ce sont des discussions qu'on a de temps en temps au fil de l'année avec Joe et puis nous les élus. Voilà. C'est un peu différent parce que ça se passe à Saint-Ternel, mais c'est peut-être une petite valeur de test aussi. C'est vrai que c'est une logistique un peu particulière parce que la troisième journée, ça se déroule pas au même endroit. Donc c'est un petit peu compliqué, il faut mobiliser plus de monde, il faut doubler les équipes. Et puis je pense que ça va bien se passer de toute façon. Plus ça va, plus c'est facile. En effet, parce qu'il y a des habitudes qui sont prises. Je pense qu'on maîtrise de mieux en mieux le festival et ses contraintes, ce qu'on peut faire avec le site. Et du coup, il y a une certaine une habitude qui se met en place et ça nous permet de corriger les détails. Chaque année, on corrige finalement de nouveaux détails pour arriver. On ne sera jamais parfait, évidemment, quoi. Mais ça nous facilite vraiment le travail parce que c'est quand même quelque chose d'assez fatigant et éreintant, un festival. Hein. On ne dort pas beaucoup, on se lève très très tôt, on se couche à peu près à l'heure où on se lève. Donc, c'est pas évident tous les jours.